à ce 16e atelier des fondations. C'est depuis 2004 le CFF qui organise cet événement annuel. Et surtout, c'est la première fois depuis 2 ans qu'il n'a pas lieu à distance ou en numérique à cause de la crise Covid. Donc c'est donc avec un grand plaisir, je crois, que vous allez tous pouvoir vous retrouver pendant 3 jours. 3 jours pour échanger, pour réfléchir sur le thème qui a donc été retenu cette année et qui est « Être ensemble, le temps d'après ». Être ensemble. Être ensemble, mais vivre ensemble, c'est un peu plus compliqué. Agir ensemble, c'est encore plus compliqué, mais décider, gouverner ensemble, est-ce que c'est possible? C'est pour ça qu'on est ici au Pensière, parce que c'est un lieu magnifique pour que les gens se rencontrent, qu'on se nourrisse de la joie du partage, de la joie de l'engagement, ensemble. Oui, la rencontre, elle est fondamentale, c'est une respiration. On est souvent sur le terrain, on est dans nos préoccupations. Il faut qu'il y ait des moments de respiration et d'échange. C'est important parce que, en fait, on fait des métiers qui sont des métiers rares. Et que finalement, c'est des métiers un peu isolés. Et donc, échanger des pratiques, prendre de la distance par rapport à son activité du quotidien, capitaliser aussi, diffuser, puisqu'on peut être intervenant dans des ateliers. Ça, c'est important. En plus, la joie d'être ici. Partage. Coopération. Échange. Acteur de lien social. Intéressant et motivant. Une plateforme d'échange et une possibilité d'apprendre au contact de ses pairs. Une très belle énergie collective. Respiration. Un mot, hein.